suis une maman de 3 garçons, 54 ans, qui est née en région parisienne. Et puis très vite, mes parents ont déménagé, donc j'ai grandi en Dordogne. Et j'ai rejoint la Gironde pour faire mes études supérieures, un département de cœur que je n'ai jamais quitté depuis. Dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup été collaboratrice d'élus. Puis à un moment donné, Alain Juppé m'a demandé de franchir le pas et passer de l'autre côté, d'être moi-même élue. J'ai été pendant 10 ans à ses côtés maire adjointe de quartier de Bordeaux. Et ensuite, je suis devenue en 2017 sénatrice. J'ai été réélue en 2020 sénatrice de la Gironde et j'ai été élue vice-présidente du Sénat, une fonction que j'occupe actuellement. C'est une perception un peu subjective, mais j'ai eu l'impression, en tant que jeune et femme, de devoir faire encore plus mes preuves, donc de devoir encore plus travailler. Mais je ne le regrette pas parce que cette force de travail, aujourd'hui, c'est ma légitimité et c'est ma plus forte reconnaissance. Je crois qu'il faut rester soi-même, avoir le sens de la répartie, ne pas avoir peur parce que nous sommes avant tout complémentaires entre hommes et femmes. Il faut savoir se faire confiance et se respecter.